Les 26 candidats à la présidentielle de 2023 étaient réunis à Kinshasa aujourd'hui dans le cadre des concertations initiées par la Commission électorale nationale indépendante. Ces derniers ont signé le code de bonne conduite afin de lutter contre toute forme de violence et combattre les antivaleurs en période électorale. À la une également, le président angolais João Lourenço a inauguré le 10 novembre dernier l'aéroport international le Dr Antonio Agostinho. Cet aéroport a une capacité prévue de 15 millions de passagers par an, une capacité annuelle de fret de 130 000 tonnes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. J'ai annoncé en titre, réunis à Kinshasa dans le cadre de concertations initiées par la Commission électorale nationale indépendante, les 26 candidats présidents de la République ont signé ce lundi 13 novembre le code de bonne conduite par cet acte. Tous les challengers ont pris l'engagement de lutter contre toute forme de violence et de combattre les antivaleurs, notamment la mauvaise foi, la corruption, les dénonciations calomnieuses, pour ne citer que celles-ci. Décidément, le train des élections tend vers sa destination finale irréversible et personne ne peut l'arrêter sous aucun prétexte. Parlons toujours processus électoral. Les candidats à la présidentielle de 2023 seront face au jour sous l'initiative du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, une initiative qui n'est pas du tout acceptée par la société civile. Henri Christian Longenja souhaite un débat contradictoire entre les candidats. Il est joint au téléphone par Patience Lokeke. Je pense que les rencontres que ce SAC organise, je me dis, ce sont que des formalités. Des formalités pourquoi? Parce que là, on va voir, on va assister à un monologue où chacun vient, il donne ses chapelets d'intention, il parle pendant 90 minutes et puis il s'en va. Mais ce qu'on aurait voulu, parce que c'est le débat contradictoire. Parce que dans une démocratie, la démocratie c'est la logocratie, c'est-à-dire le gouvernement du discours, le gouvernement d'expression. Alors on aurait voulu que les candidats entre eux, on devrait faire des croisements. Quel candidat qui doit rencontrer l'autre? Et on fait des croisements comme ça et par après, ça permet à la population d'apprécier comme on le voit partout au monde. Mais faire ces histoires-là où chacun passe, mais ils auraient dû enregistrer les histoires chez eux à la maison comme ils vont battre les campagnes et c'est fini. Mais maintenant, on va mobiliser les fonds de l'État, la chaîne nationale pour faire du spectacle ou du statico. Nous estimons que la CENI, le CESAC ferait œuvre utile en organisant réellement des débats contradictoires entre les candidats et surtout des candidats phares qui se discutent entre eux et que chacun défende quelque chose et que ça nous, va nous permettre à nous, la population, de bien les apprécier. Et puis la Cour constitutionnelle a renvoyé pour le 18 mars 2024 l'instruction sur le procès Matata Ponyo dans son audience publique de ce lundi 13 novembre. Une manière de permettre à l'ancien Premier ministre Matata Ponyo de bien faire sa campagne électorale selon le président de la Cour. Comme le renvoi de l'audience se justifie par le laborieux travail de contentieux des résultats qui les attend après le scrutin du 20 décembre. Dossier Matata Ponyo, les poursuites judiciaires contre lui ne perturberont pas sa campagne électorale, a annoncé le communicateur de son parti Leadership et Gouvernance. Suivez-le au micro de André Moumaka et de Benny Ifombo. Le prononcé de l'affaire Matata Ponyo Mapon, candidat président aux élections de 2023 dans le dossier Bukanga Lonzo, est renvoyé au 18 mars 2024 prochain. Le communicateur de son parti est revenu sur les faits. La Cour constitutionnelle a appelé les partis à se présenter devant la barre ce lundi. Et vous le savez que Matata n'est pas tenu d'y être aujourd'hui parce qu'il a été, selon la dernière audience, jugé par défaut. Et les défauts est tombé caduque à partir du moment où ils ont pris les exceptions soulevées par le parti de Christo Kobler et Deo Gracias.
Vous comprenez là que l'audience d'aujourd'hui devait se dérouler pour répondre aux exceptions soulevées par les autres partis. Pour le communicateur du parti Leadership et gouvernance pour le développement LGD en sigle de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, ces poursuites ne perturbera pas la campagne électorale de son candidat. Les poursuites ne vont pas perturber la campagne électorale pendant que nous savons que Matata ne devrait pas se retrouver devant les juges si la Cour constitutionnelle n'était pas la caisse des résonances de l'Union dite sacrée. Nous savons que l'affaire dite de Bukamalonzo était déjà close sous RP001. Et si on veut respecter les lois, si on veut que chaque Congolais puisse jouir de la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de concourir aux élections, nous devons laisser d'instrumentaliser la justice. Le communicateur du LGD est revenu sur une possible candidature unique de l'opposition. Mais vous savez, le parti partenaire du LGD, notamment Ensemble pour la République, en vol, et le parti qui porte la candidature de Denis Mukwege, nous sommes en pourparlers, nous échangeons, nous discutons, et la candidature commune est à la cuisine. Nous sommes en train de la préparer pour pouvoir mettre sur la table des Congolais les propositions basées sur les idées, sur l'expérience, sur la compétence et sur la capacité de rassembler l'opposition pour permettre à ce que ce que nous aurons comme candidature commune puisse refléter réellement la volonté de renouer avec les destins des grandeurs du Congo. Entre-temps, les délégués des candidats de l'opposition à l'élection présidentielle de décembre 2023 se sont réunis ce lundi 13 novembre 2023 à Pretoria en Afrique du Sud. Reste à savoir si l'opposition peut-elle parvenir à une candidature commune. Parlons d'autre chose. L'Assemblée nationale a autorisé pour une énième prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le vice-ministre de la Justice a présenté l'économie de ce projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la RDC. Sur 338 députés ayant pris part à la plénière sur la prorogation de l'état de siège, 332 ont voté oui, 4 députés ont dit non et 2 abstentions. Suivez. Moi, je trouve que c'est constitutionnel. Nous avons dit encore que l'état de siège n'est pas une stratégie ni un don du président de la République, mais plutôt c'est une réponse constitutionnelle. Lorsque nous nous trouvons dans cette situation d'insécurité où le bon fonctionnement de l'État, on recourt à l'état de siège. Alors, la question c'est de dire, est-ce que c'est l'état de siège qui échoue ou ce sont les animateurs qui ont bénéficié de la confiance du chef de l'État par des ordonnances qui échouent, je dirais bien, ce sont les animateurs qui ont échoué. Et la faute du président, c'est de ne pas sanctionner les gouverneurs militaires et d'autres commandants des opérations qui ne veulent pas donner un bon bilan. Parce que on n'arrive pas à comprendre comment les M23, appuyés par le Rwanda, qui sont à un effectif moins de 2000 hommes, avec un armement moins inférieur, qui ne résiste pas devant les civils, les réservistes ou les Alendo, et pourquoi l'armée régulière avec un grand effectif, avec de blindés, un armement lourd, n'arrive pas à déloger. Donc le problème c'est au niveau du commandement. Et le président de la République, au lieu de donner des promotions, des grades chaque jour, lui il devrait sanctionner. Malgré les invasions des supplétifs qui sont considérés comme des cas isolés, les forces armées de la RDC sont résolument engagées à stabiliser la situation sécuritaire qui prévaut dans la province de l'Ituri. Deux approches sont utilisées, l'approche militaire et l'approche de sensibilisation. Voilà ce qu'a indiqué le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des FRDC en Ituri. Il a été joint au téléphone par Tjodjo Mulamba. Nous menons les patrouilles de combat la nuit comme le jour pour détruire toute velléité d'attaquer nos positions ou la population. Ça, c'est dans le cadre de l'approche militaire et aussi mener les actions ciblées pour contrecarrer toute manœuvre de l'ennemi sur nos populations. Également, ces actions visent également à protéger de plus en plus nos populations, mais aussi rassurer la libre circulation de personnes et de leurs biens, parce que leur velléité est
de couper la route ou de mener les actions de terrorisme, de faire peur. Ça, c'est d'une part. D'autre part, dans l'approche non militaire, nous avons réactivé cette approche également avec nos partenaires de la MONUSCO, PDDRCS, pour sensibiliser, désensibiliser encore une fois à tous ces miliciens, certains qui n'en ont pas encore adhéré, et les autres qui sont là, de démarrer dans ce processus qui est tellement salvateur et qui est plein d'espoir pour le peuple ivoirien. Le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya Kanchama Djouni, a toujours, dans cette approche-là, appelle chaque fois les communautés à cultiver l'éducation sur la paix et les miliciens à se pardonner, à se réconcilier eux-mêmes, parce qu'il s'agit ici des conflits ou des tensions communautaires où chaque communauté prétend avoir une milice pour protéger ses siens. Alors que si on s'est pardonné, on pourra avoir la paix sans tirer une seule balle sur quelqu'un. Donc c'est ces deux approches-là, nous sommes en train maintenant de redynamiser, de mettre en place des dispositifs encore robuste pour permettre de contrecarrer toute action. L'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi a destitué le gouverneur Malo Mobutu au cours de la plénière tenue samedi dernier. Sur 18 députés ayant pris part, 10 ont voté pour l'adoption de la motion initiée à l'encontre du petit-fils du feu maréchal Mobutu. Le contenu de la motion accuse Malo Mobutu de l'incompétence, mégestion et détournement. Didier Ilunga et Blaise Kouzola. C'est l'ensemble de l'équipe du gouverneur Malo Ndimba Mobutu qui est déchu à la suite du vote de la motion de censure initiée par les questeurs du bureau de l'organe délibérant, le député Bembide Danou Polele Max, qui a retenu 17 grèves contre l'exécutif provincial dans la mégestion, le détournement des fonds et l'incompétence. Au total, 10 députés provinciaux sur les 18 qui ont pris part à cette plénière ont voté pour la destitution du gouvernement Malo Mobutu. Ici est de rappeler que Malo Mobutu a été élu gouverneur en 2022 pour succéder à Isato Nzege Koloké, qui avait démissionné de ses fonctions de gouverneur de la dite province le 8 décembre 2021 suite à la pression exercée sur lui par les députés provinciaux malgré les difficultés auxquelles il faisait face en cette entité congolaise. C'est déjà la fin de l'année académique 2022-2023 à l'Université moderne de Kinkolé. Ce samedi, tout bougeait au rythme de la collation des grades académiques pour les 14 étudiants qui ont réussi à la première session. Un moment de fête pour les lauréats, mais aussi leurs proches venus leur accompagner. Fiston Oleko et Stani Samba étaient sur place. L'ambiance était plus que festive à l'Université moderne de Kinkolé ce samedi 11 novembre. En tout, c'est 14 lauréats en licence et master en première session dans les 4 facultés qu'organise cette alma mater. Une joie immense pour les étudiants. Je suis dans la grande joie. Je suis vraiment, il y a une joie immense parce que l'université ici s'est formée pour transformer. La façon dont nous sommes venus, effectivement, nous avons été formés et nous sommes transformés. Nous ne sommes plus comme on était avant, nous sommes devenus tout autre. Nous sommes devenus d'autres personnes. La science est dans nous. Un peu plus tôt, devant nos autorités publiques et autres personnels académiques, le comité de gestion de l'UMK, à travers son recteur, a réitéré sa détermination à maintenir la poursuite des objectifs de l'université. Les ambitions de l'Université moderne de Kinkolé demeurent intactes, à savoir celle d'offrir au peuple congolais en général et au Kino en particulier, ainsi qu'à tout être humain de quelque origine que ce soit, à la quête du savoir, des valeurs intellectuelles, morales, éthiques, capables d'impulser la dynamique de développement pour notre peuple. Cette promotion est la 6e pour UMK qui organise les enseignements au système LMD. Elle a procédé pour la première fois à la diplomation à master. Les 4 facultés qu'organise l'Université moderne de Kinkolé sont les droits et administration des affaires, économie et gestion, informatique, mais aussi santé publique. Au
au Kasaï, les agences financées par le Fonds des consolidations de la paix plaident pour l'affectation des magistrats dans les tribunaux de paix pour lutter contre l'impunité. Ce plaidoyer a été formulé à la réunion du comité de pilotage provincial. Suivez Vincent Kayembe, acteur de la société civile au barreau de Kananga, qui nous explique les causes et les conséquences de cette carence. Il est joint par Francine Moukeba. Il est vrai qu'au Kasaï central, nous n'avons pas assez de magistrats, jusque-là du moins. C'est une situation très confuse qui laisse beaucoup de gens un peu perplexes. Parce qu'au regard du standard de l'Union européenne, pour une agglomération de 100 000 habitants, par principe, nous devons avoir 20 magistrats. Mais jusque-là, en tout cas jusque-là, nous n'avons pas assez de magistrats dans tous les 5 territoires du Kasaï central, nous n'avons pas assez de magistrats. Raison pour laquelle le Conseil supérieur de magistrature, qui forme d'ailleurs des magistrats, nous au niveau de la CNDH, nous avons fait ces constats, non seulement au niveau des territoires, même au niveau de la ville, nous n'avons pas assez de magistrats. Imaginez-vous, du moins pour la promesse du Kasaï central, jusque-là, nous avons plus ou moins 27 magistrats dans l'ensemble. L'accès à la justice, c'est l'un des droits fondamentaux. Dès lors que nous n'avons pas assez de tribunaux, dès lors que nous n'avons pas assez de magistrats, je crois que les gens ne vont pas jouir de leurs droits. Deuxième aspect, ça concerne aussi la construction des tribunaux dans tout le territoire. C'est vrai, on peut affecter des magistrats, on peut nommer des magistrats, mais ils iront travailler où? Oui, la réponse est là avec le programme des 145 territoires. Mais j'aurais bien souhaité que l'on puisse appuyer sur le bouton accélérateur et que l'on crée des bonnes conditions de vie, des bonnes conditions d'existence, des bonnes conditions de travail. Cela relève bien entendu du gouvernement qui doit donner des moyens conséquents, payer régulièrement le magistrat. Parce que moi, je m'imagine, lorsqu'un magistrat est affecté, par exemple, dans un territoire, et que dans ce territoire, a des bonnes conditions de vie, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de venir avec sa famille? Parce que ses enfants vont devoir étudier dans de bonnes écoles. Ses enfants qui préfèrent faire l'université, ils n'iront pas ailleurs. En sport, les Léopards de la République démocratique du Congo se sont entraînés pour la première fois au Stade Martyr ce lundi 13 novembre 2023 pour préparer la rencontre face au Mourabitoune de la Mauritanie le mercredi 15 novembre prochain. Toujours au Stade de Martyrs, ce match entrera dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La première séance d'entraînement de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo a eu lieu ce lundi 13 novembre 2023 au Stade de Martyrs, en marge de la première et deuxième journée des éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe du Monde prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026. D'après un communiqué de la cellule de presse de la Fédération congolaise de football association, deux séances à la salle de musculation sont également programmées à 15h et à 21h. Plusieurs léopards séjournent dans la capitale congolaise depuis les dimanches et ce lundi. Il s'agit entre autres de Gaël Kakuta, Vital Simba, Brian Bayeye, Enoch Inunga, Lionel Pansy, Grady Diangana et Cédric Bakambu notamment. Le Fauve congolais vont recevoir le Mourabitoune de la Mauritanie ce mercredi 15 novembre au Stade de Martyrs avant d'affronter 4 jours plus tard en terre libyenne les Crocodiles du Nil du Soudan. Notons que le Sénégal, le Togo et le Soudan du Sud font également partie du groupe B. La RDC va matcher ces trois nations après la CAN Côte d'Ivoire 2024. C'était là le commentaire de Blaise Kouzola. À présent, nous allons faire place à la page internationale. «
Je l'ai annoncé au sommaire, l'aéroport international Dr Antonio Agostino Neto est désormais opérationnel en Angola. Le président João Lourenço a inauguré le 10 novembre 2023 le nouvel aéroport situé au sud-est de la province de Luanda. Estimé à plus de 2 milliards de dollars, l'infrastructure a une capacité prévue de 15 millions de passagers par an et une capacité annuelle de fret de 130 000 tonnes. Suivez. Le président angolais João Lourenço a inauguré le 10 novembre 2023 l'aéroport international Dr Antonio Agostinho Neto. La nouvelle infrastructure située dans la municipalité d'Ikolo et Bengo, au sud-est de la province de Luanda, s'étend sur une superficie de 75 km² pour un coût élevé à plus de 2 milliards de dollars. Elle a une capacité prévue de 15 millions de passagers par an et une capacité annuelle de fret de 130 000 tonnes. La mise en service de l'aéroport international Dr Antonio Agostinho Neto se déroulera en trois phases. La première phase est consacrée au service de fret jusqu'en février 2024. La deuxième phase, qui débutera en février 2024, comprendra le service domestique et les services internationaux qui sont prévus en juin 2024. Le nouvel aéroport va stimuler le commerce, l'industrie du transport et touristique de l'Angola et devrait contribuer à la diversification de son économie qui repose à plus de 90% sur le pétrole. Le président João Lourenço a déclaré que la gestion de l'aéroport sera confiée à un opérateur privé compétent afin de permettre à l'infrastructure d'être une source génératrice de revenus pour l'État. La désignation du nouvel aéroport est une reconnaissance des œuvres du premier chef d'État angolais Antonio Agostinho Neto en faveur de la liberté et de l'indépendance du peuple angolais. Précisons que l'inauguration de l'aéroport international Dr Antonio Agostinho Neto a eu lieu la veille des 48 ans d'indépendance de l'Angola, célébrée le 11 novembre 2023. Et puis la Banque africaine de développement a décidé de lever le 6 novembre les sanctions financières imposées au Gabon après le coup de coups d'État du 30 août. L'annonce a été faite par le ministre gabonais de l'économie jeudi dernier. La décision a intervenu après des négociations entre l'institution bancaire continentale et les autorités gabonaises. La Banque africaine de développement a décidé de lever le 6 novembre les sanctions financières imposées au Gabon après le coup d'État du 30 août qui a renversé le régime d'Ali Bongo Ondimba. L'annonce a été faite par le ministre gabonais de l'économie jeudi. La décision est intervenue après des négociations entre l'institution bancaire continentale et les autorités gabonaises. Marrakech, Libreville et Brazzaville, fin octobre, des rounds de négociations ont été nécessaires pour dissiper les zones d'ombre. Le Gabon s'engageait dans la capitale congolaise au plus haut niveau à assurer ses arriérés de paiement auprès de l'institution panafricaine, relançant dans la foulée sa coopération avec la BAD. Au Gabon, la Banque africaine de développement finance un important projet d'adduction d'eau dans plusieurs villes. Dans Libreville, la capitale, la BAD devient la première institution à lever les sanctions infligées au Gabon depuis le coup d'État contre Ali Bongo il y a un peu plus de 2 mois. Une autre manière de vous informer, mesdames, messieurs, faisons place à la revue de presse. La revue de presse de ce lundi 13 novembre 2023, nous avons André Moumaka. Bonsoir André Moumaka. Bonsoir Damani Moujingara. Alors la grande actualité, élection 2023, début des cadres de concertation entre la CENI et les candidats à la prochaine présidentielle. Oui, hein, RTNC procédé à titrer Denis Kadima au candidat président de la République. La RDC ne peut pas se payer le luxe de perpétuer une culture de non-respect des délais constitutionnels ou d'échecs électoraux successifs.
La majorité des candidats ont personnellement répondu présents, en commençant par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce dernier a même, au cours de cette rencontre, serré la main à l'opposant Martin Fayoulou, qui lui aussi a participé à cette réunion. Dans son mot, le président de la CENI, Denis Kadima, a rappelé aux candidats le chemin parcouru jusque-là par le processus électoral en cours, chemin jonché des difficultés de tout genre. Dans le même registre, actualité.cd dit que le gouvernement de la République a fait une grande part dans le financement du processus électoral en cours. C'est le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, qui note néanmoins que la part restante de 30% est importante pour achever tous les processus de financement. André Moumarka, Moïse Katumbi a présenté son programme ce lundi 2023. Eh oui, malgré son absence, représentée par son représentant spécial Christian Mwando, Actu30.cd qui titre « Élection 2023 », le programme de quinquennat de Katumbi chiffré à 141,5 milliards de dollars, dont 11,3 milliards pour le secteur de la défense. Le cadre de l'ensemble pour la République, Christian Mwando Ntsimba a présenté ce lundi 13 novembre à Kinshasa le programme de gouvernance de Moïse Katumbi, chapeau candidat à la présidentielle de 2023, intitulé « Alternative 2024 pour un Congo démocratique, prospère et solidaire ». Entre-temps, Yabiso News a aussi parlé de cette affaire Moïse Katumbi, notamment de son programme pour l'élection présidentielle de 2023, qui a aussi épinglé l'absence de Moïse Katumbi, représenté par Christian Mwando Ntsimba, qui note qu'il n'est pas normal qu'un président soit élu avec seulement 12% de voix, comme cela a été le cas par le passé sans second tour. Il entend faire modifier la Constitution pour réintroduire ce scrutin à deux tours afin que les gagnants obtiennent la majorité absolue des suffrages. Je pense que c'est tout, André Moumaka. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Fin de cette revue de presse. C'était tout pour ce soir, mais avant, je vais vous rappeler les différents titres. Les 26 candidats à la présidentielle de 2023 étaient réunis à Kinshasa aujourd'hui dans le cadre de concertation initiée par la Commission électorale nationale indépendante. Ces derniers ont signé le code de bonne conduite afin de lutter contre toute forme de violence et combattre les antivaleurs en période électorale. Le président angolais João Lourenço a inauguré le 10 novembre dernier l'aéroport international Dr Antonio Agostinho Neto. Cet aéroport a une capacité prévue de 15 millions de passagers par an et une capacité annuelle de fret de 130 000 tonnes. Ce journal est complètement fini. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme chez vous.